Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de L.A. Noire. Dans mon costume saillant noir, où j'ai complètement la classe. Donc ça fait plaisir de vous retrouver sur bien L.A. Noire, ça faisait longtemps. Résultat, j'ai complètement perdu le fil de l'enquête. So what's the story? Alors... I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McAfee's wife in the first place. Or he'd have done the job properly. McAfee will pick up his legs just for looking at his broad the way. Non, mais veut pas s'arrêter, hein. What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? Excellente question. C'est bon, plus personne ne parle. Bon, bah, je vais enfin pouvoir parler. Donc je vous rappelle un petit peu le synopsis de l'enquête. On avait retrouvé une... Putain, mais ça n'arrête jamais dans cette putain de ville. Je m'en fous. Je ne la ferai pas maintenant, je ne ferai pas cette affaire maintenant. J'ai besoin de parler à mes abonnés, s'il vous plaît. Merci. Alors je vais vous rappeler bien sûr le synopsis de l'enquête. Alors on avait retrouvé une voiture qui était plantée dans un panneau publicitaire dans la même rue que le commissariat finalement. Donc ça a été très rapide pour se rendre sur les lieux. Et au final on a appris que les victimes étaient une comédienne plutôt vieille et une jeune fille qui devait avoir 14 ans je crois, et qui avait été abusée si je me souviens bien. Et après il y a une histoire un petit peu bizarre avec justement donc cette actrice. On l'a retrouvée dans un bar là juste ici qui est juste à côté là, et elle demandait à quelqu'un d'aller liquider la personne qui apparemment les aurait envoyés dans le mur, enfin dans le panneau. Et voilà, on essaye de chercher des explications. Donc on va aller à l'appartement de Bishop, je sais plus qui c'est. Apparemment ce serait peut-être le coupable. Enfin je sais pas. Allez hop, nous sommes partis. Boum boum boum, c'est le feu rouge. Bon allez, on va pas se faire chier. Tac, on va tourner à droite. Ah, ça fait plaisir. Là, il fait chaud, c'est l'été. C'est le moment idéal pour faire de bonnes vidéos. En tout cas, j'en ai plein à vous proposer. Ça va être un été de feu. Alors, pas mal. Non, je ne répondrai pas à cet appel. Peut-être après, mais regardez-moi cette voiture. Elle est particulièrement belle, dommage. Dommage que je ne puisse pas la voler. Ah, c'est bon, les flics, on a une certaine dignité et surtout qu'on n'a pas le droit. Putain, c'est un cul-de-sac. Attention, admirez le demi-tour du patron. Attention, voilà. Ah, on joue du papapap. Ah, et merde. Fuck. Bon, bah, j'ai pété le phare malheureusement. Ça coûtera au moins une centaine de dollars à la fin de l'enquête, vous allez voir. Ça va être chaud. Bon, c'est vrai que c'est assez contraignant ce système de. D'impasse là, c'est chiant. Il y a du niveau. Nous sommes à Los Angeles, il y a du niveau. Enfin oui, on est bien à Los Angeles. Oui, bah oui. Oui, bon, hein, vous allez vous calmer derrière là. Est-ce qu'il y a... Ah ouais, attendez, on va essayer de conduire comme ça, on est des ouf. Pour vous donner un peu de... Oh le fou, j'ai tourné au hasard, j'ai réussi à éviter la bagnole. Pour vous donner un peu d'épicness là, de cinéma là. Ouais, bon, par contre. Vous êtes bien gentils, mais... Hop, bon je m'en fous, je roule à contresens, je suis un malade. Boum. Bon, take voilà. It easy. Allez vas-y, sors de ta bagnole, c'est ça, viens m'engueuler, je suis un flic, je t'arrête comme je veux. Oh putain. C'est bien sûr à droite, il y a le... Oups. Je fais n'importe quoi, oui je sais c'est un peu dur de conduire. Pour voir un monument repéré, qu'est-ce que j'ai repéré? Ah ouais, pas mal. Eh, hey, ça me donne de l'XP. Allez hop, on trace. Résultat, je sais absolument pas. Ah voilà, c'était la flèche du jour. Bon, on va arrêter parce que... Voilà, comme ça, c'est pas mal. Là, je vous vends du rêve. On voit la voiture qui vibre. Ah! Watch it! Oups. Excusez-moi! Attendez, je crois que je viens de démonter la... Même pas, elle n'a rien. Ok, bah ça, c'est les bagnoles de flics, elles n'ont jamais rien. Elles sont en... Elles sont incassables. Allez, hop, on trace.
Meow meow. T'as dit... Oups. Décidément, c'est pas... C'est pas si proche que ça. J'espère que ce Bishop aura quelque chose à nous raconter. J'espère ne pas me gourer dans les interrogatoires. Sincèrement, j'espère... Faudrait que j'essaye de me lancer le défi de faire une mission un jour. Une mission parfaite, sans aucune erreur. Vous voyez, le rêve, quoi. Je suis sûr qu'il y a un haut fait comme ça. Et je suis tellement moisi que... ça va être compliqué de le faire, enfin de le réaliser. Hop. Donc on arrive. Ouais, ça doit être dans les pâtés de maison, là-bas. Nyaon. Eh, vraiment, on croise des véhicules très sympas. Va falloir que je les débloque. Je pense qu'aussi, on se fera ça quand on aura à peu près fini toute l'histoire. Se faire essayer de débloquer toutes les bagnoles, découvrir tous les monuments, enfin se balader un peu quoi. Ça pourrait être vraiment sympathique. Et là c'est un putain de feu rouge. Hop, moi je suis un fou. Alors c'est... ouais, c'est ici. Waouh, pas mal. C'est un hôtel non? Appartement. Waouh, putain la classe, le mec se fait pas chier. Pourquoi vous allez en courant? Qu'est-ce qui se passe? Oui. D'accord. Les mecs ils vont en courant pour s'arrêter devant la porte. Oui. Effectivement. I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. C'est pas un appartement, ça. Pour moi, c'est un hôtel. Excusez-moi, mais... vous avez vu ça? Il y a même un standardiste. Attends, oh. Oui, l'ascenseur. Oh, yeah. Du-du-du. Sounds like we're about to make a hat trick of hysterical female witnesses. Ah, c'est sûr que là, au niveau des femmes hystériques, on va être servi, hein. Ah, ça vibre. Non, d'accord. Waouh, pas mal. J'adore l'ambiance, les vieux immeubles comme ça. C'est quelle porte? À tous les coups, c'est celle-là. Ouais, il y a la poignée dorée. Bijoux. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs.? Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please, come in. Pas mal. I'll just need to sit down for a moment. Ah. Forgive me. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess. We'll take a quick search of the premises, ma'am. Oui, oui, oui. You take a moment to gather your thoughts. En fait, ils ont pourri ton appartement. Oui, oui, c'est le cas de le dire. Thank you, officer. Oh, j'adore l'appart à la classe. Vous voyez, il y a même un petit jeu de dons. La petite lumière là qui va vers, vers la chambre, ça sent mauvais tout ça. Alors voyons voir ici. Ah, une statuette. Voyons voir. Pas mal. Ah, c'est. Non, c'est pas Bouddha ça, non. Non, 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 je dis. Des... Si, c'est. Soit c'est une déesse indienne, je sais plus quel est le nom déjà. Bref. A New Testament. I don't think so. C'est un simple bouquin, le Nouveau Testament. Alors, on va aller jeter un petit coup d'œil à la chambre. Ah, une petite musique. Beaucoup de magazines. Vous aimez lire, madame? Ah, non. Ah, une bague, peut-être. Non. Non, I don't think so. Ouais, yes. That's true. Qu'est-ce donc du rouge à lèvres? Ouais, on s'en fout. It doesn't appear to be connected. Ouais, la brosse aussi. Je le fais quand même, on sait jamais. Hein. Ça peut être un objet à la con, hein. Non, une brosse. Good to me. Non. Ouais, en fait, ils jouent là-dessus, ils mettent un max d'indices, mais dont la moitié, on en a rien à foutre, en fait. Ah, peut-être un... Voilà, j'en étais sûr. Qu'est-ce donc? Mark Bishop, à l'ordre de Lorna Hopgood, montant 20 000 dollars. Ah, c'est un chèque. Ok, on a un chèque de 20 000 dollars. Bah, là, il suffit juste que tu prennes le chèque, hein, que tu changes l'ordre, et puis voilà. Hein. Non, je déconne, c'était seulement ça. Voyons voir, qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce donc? This doesn't pertain to the case. J'aimerais bien savoir ce que c'est, Mad. C'est quoi? Yazel, ouais, je sais pas ce que c'est. Tu as du parfum. Rien dans l'armoire. Bon, bah, je pense qu'on a tout vérifié. Hein. Non, y a plus rien par ici. On va changer de pièce. Ah, ici. Oh! Gay Cowboys. Tomorrow, Bishop. De très gay cowboy pour Mark Bishop avec les remerciements d'Isaac ce soir. Mark. Une selle. Mais je vois pas en quoi ça peut nous donner un indice. Peut-être il... Ouais, je sais pas. C'est dans le milieu du cinéma, bon... Alors, collègue, tu trouves... Ah, pas mal, j'aime beaucoup ça. T'as avec un volet et tout, c'est sympa ça, le comptoir. Donc je suppose qu'ici c'est... Bah ici c'est... Ouais, c'était le bureau.
C'est un bureau. Bon, ah, le truc, ouais, c'est un réalisateur, hein. Le, enfin, c'est pas le mégaphone, c'est le, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, un billet. Tout est lié. Non. Ah, j'ai pas fait gaffe. Attendez, faudrait que je retourne. J'ai peut-être loupé un truc tout à l'heure. Maybe. Avec la boîte bizarre là. Attendez. Juste je retourne, je veux être sûr, hein. Je ne veux louper aucun indice parce qu'à chaque enquête, je loupe au moins un indice. Ici. Ah non. Non, non, en fait, il y avait que ça. Ok, c'était pour être sûr. Je suis sûr dorénavant. Donc, dans le bureau, ouais, bon, on a fait par terre. Ah, ici, une photo. Photo en noir et blanc. On dirait le vieux plateau de tournage juste entre eux. Ouais, pas mal. Ah, il est joli. Pas mal la photo. Qu'avons-nous ici? Un prix, je suppose, non? Ouais. Intolérance. La lutte de l'amour à travers les âges. La grande muraille de Babylone. Great Wall of Babylon. A replica of a replica. Une réplique de la réplique. D'accord. Mais en fait, je vois. Oui? D'accord. Il arrive pas à choper l'indice. Alors qu'est-ce donc? Nope. Nope. J'adore comment il dit ça. Nope. Une bouteille d'alcool? Non, je suppose que ça va. Peut-être non. Not everything here is going to be relevant. Tout ce que tu trouveras ne sera pas lié à l'affaire, d'accord. Donc je regarde encore une dernière fois, voir si j'ai bien fait toute la pièce, mais normalement. Voilà. Il y a déjà le petit tilu pour nous dire qu'on a déjà tout trouvé. Enfin, dans la pièce, bien sûr. Ah, alors ici, il y a des indices, apparemment. Une tasse! Mais oui, c'est ça le nœud de l'histoire! Non. Ben oui, ben ça aussi! Non, mais ça on s'en fout en fait, non. Allez hop. Ça on s'en fout. Attends, je préfère le faire, hein. Nope. Non, c'est useless. Ici on peut pas rentrer, mais en fait y'a rien dans la cuisine. Non, en fait y'a rien. Résultat, on va se taper toutes les pièces. Non, pas de téléphone. Ah ah ah! Encore des livres dont on a rien à foutre. Nope. Doesn't look like anything. Je suppose que, ouais, bon, beaucoup d'objets. Ah, ça c'est important, une photo. Alors c'est lequel? C'est le gros à gauche ou à droite? Il y a une scène en arrière-plan. Silver screen. Je suis sûr que Bishop. Mark and Marlon Hopgood. Ouais, Bishop il est à gauche. That's Hopgood's shop. D'accord. Il a une bonne tête de vainqueur, ton mari, dis-moi. Alors, ouh, pas mal le jukebox. Y'a rien d'autre. Ah, attendez, je peux. Ah, j'ai pas vérifié cette pièce. Le piano. Qu'avons-nous ici? Putain, pas mal l'appartement. Franchement, j'adore. Hein. Le style, comme ça, j'adore. Hop. Ici, bon, un simple balcon. Rien au-dessus, rien en-dessous. Bon, bah écoutez, c'est parti pour l'interrogatoire. Hein. Hop. J'ai mis X là. Ok, c'est bon. C'est parti. Donc, nous avons Gloria Bishop aux yeux verts, aux cheveux bruns, qui a 26 ans. C'est la femme de Mark Bishop, victime d'une agression. Those men, I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Oui, à mon avis, je connaissais. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. Mm-hmm. Bon, ça sent le... June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds. D'accord, c'est parce qu'en fait c'est une actrice ratée, elle n'a pas de boulot. C'est pour ça, tout est bien. En tout cas, elle est très jolie. Hein. Elle est vraiment super jolie, cette chère Gloria. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Du coup, j'ai pas suivi où est Bishop, machin et tout. Attendez, on va voir le carnet. Où est Bishop, machin, victime droguée. Ouais, ça, on s'en fout, sous vêtements. Bon, voilà. Ça, je sais pas. Ah, fausse tête réduite. Eh oui, les mecs, ils ont des statues de chelou, là.
de déesses indiennes ou enfin exotiques un petit peu. Ça va peut-être de chez eux. Hein. Preuve de viol, chèque de 20 000, sel. Oh, bon, là, sel. Réplique, ouais, photographie. Bon. Alors là, par contre, elle bouge pas. Elle bouge pas la tête. J'hésite entre doute et vérité, voyez-vous. Pourtant, elle cligne des yeux. J'ai envie de mettre doute. J'hésite. Ah, j'hésite. C'est le dilemme. C'est le dilemme. Ou alors c'est mensonge. Vous voyez, dans des situations comme celle-ci, bah, c'est un petit peu dur de se décider. Franchement. Alors, faut pas que je me gourre comme la dernière fois où je m'étais gouré de boutons. Allez, on va mettre doute. Vérité. Bon, on va pas rester 30 ans non plus. Hein. Je sens que je vais me chier lamentablement. Can we get on with this, please? J'ai envie de mettre vérité parce qu'elle bouge pas du tout la tête, mais je sais pas si. Oui, c'est ça. Vérité. You should make sure that we find him first. I do care for him, but I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. D'accord. Bah on va aller lui parler à cet homme. Un chèque de 20 000 dollars. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna, Marlon's ex-wife. Are you sure? Oui. You're lying, Mrs. Bishop. It's some kind of payoff. You know exactly what the money is for. J'ai le chèque. Do I? Would you like to prove that, detective? Yep, je vais te prouver ça tout de suite avec ce beau chèque. Your husband looks like he's being blackmailed. Yeah, ouais. You have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood? And not McAfee. Ouais, Lorna d'abord. Works at a check cashing place in Hollywood. Une boîte d'encaissement de chèques. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Non, on ira voir. Je serai victime de chantage. Viol de Jessica. Your husband was at a casting yesterday with a young girl. Not that I know of. He told me he was looking at locations. Des sites. The picture's been cast. Alors, on va voir si j'ai pas une preuve. Photographie du plateau, photographie du magasin d'accessoires. Bon, là, franchement, j'ai pas vraiment de lettre de sa mère, sous-vêtements, Chevrolet. À mon avis, je pense que c'est doute. Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. This is a sick town, detective. Are you sure you really want to know? Oui, je suis sûr. Dévoile-moi the tout. Truth is... My husband likes them young. Ah! And you think that's okay? Ah, c'est sale, ça. I was 16 when I first met him. Ah, merde. Oops. I thought he was a genius. A magician with film. I was 20 before I realized he was just a B-movie hack. But he's nothing compared to some of the monsters at these big studios. D'accord. My guess is Ballard sacrificed her little friend. Ah merde, mais ils aiment jeunes, c'est horrible. C'est horrible de dire ça, voyons. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Oh, j'aime comment tu parles. Mais en tout cas, c'est un petit peu dégueulasse quand même son mari là qui les aime jeunes. Là. Ouais, c'est sale. Bon, on va passer un coup de téléphone. Centrale. Operator, give me R&I. J'aime quand Cole Phelps, badge 1247. L'autre, il regarde le mur. I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. On ne me fait pas attendre, voyons. Silver screen props, corner third. Angle de la troisième et de machin. J'ai pas eu le temps de lire. Ok, c'est parti. Il a une bonne tête de vainqueur, mon poteau. Eh bien, c'est parti. On se casse de ce trou, les amis. On va enfin en savoir plus. Bon, en tout cas, ouais. C'est un peu chelou, il les aime jeunes, elle l'a rencontré quand elle avait 16 ans. Bon, c'est un petit peu sale quoi, c'est un peu malsain, surtout en voyant la tronche du type sur la photo quoi. Wannabe starlet, movie producer's wife. We're finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. Eh ouais. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. C'est clair.
En fait, elle se déteste et en fait, c'est des. Ouais, voilà, elle tourne dans des pauvres séries moisies de série B. Attendez, je vais peut-être voir si on peut pas parler à. Moi, je suis comme ça, j'ouvre les deux portes. Bonjour, monsieur. Pourrait-on parler? Non, tu n'as rien à m'apprendre. A crime has been committed. Don't just stand there. Non, mais ouais, bon, au final, non, y a rien à voir. Ouais, ça me paraîtrait un petit peu gros. Ils ont peut-être laissé des. Non, y a pas la musique de toute façon, donc. Non, faut sortir. Allez hop, on rejoint la carriole. La petite carriole. En courant, bien sûr. Tac. Et on va se rendre à. Ben, à la boutique, là. À l'atelier de fabrication d'accessoires. On va aller leur montrer la tête réduite. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. You think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment? Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't ouais, seem ou like elle est dans le coup tout à fait. Broad with nothing between the ears. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McCaff. Ah ouais, c'est possible. Ça se trouve elle est dans le coup, hein, mais ou pas du tout, mais bon. Ça, on ne pourra pas le savoir tant qu'on n'aura pas toutes les preuves. Ah mais... Oups. Excuse-moi, Jean-Guy, j'ai fait fumer ta bagnole. En tout cas, les dégâts sont très bien faits. Et bon, j'ai un petit peu abîmé le devant de ma bagnole, mais c'est pas grave. Le type, je vais défoncer sa caisse. Il ne peut rien faire. Je lui ai démonté sa bagnole. Je suis désolé. Paf. Mais ça, c'est parce que je conduis comme un dieu, alors forcément... Des fois, il y a des accidents. Oups. Ouais, c'est vrai que ça tourne un peu bizarrement. En tout cas, je suis content. Aucune... Putain, les mecs s'arrêtent. En... Je suis désolé. Et le devant de ma bagnole ne ressemble plus à rien. Franchement. Bon, je disais... j'étais assez satisfait, on va dire, au niveau des interrogatoires. J'ai fait aucune erreur. Bon là ça va, c'était pas trop compliqué, j'étais dans le truc, vous voyez, j'avais des feelings. Et voilà, c'était pas non plus super compliqué. Ah voilà, c'est juste ici dans le petit pâté de maison comme à chaque fois. Quoique sinon ce n'est pas un petit pâté de maison. Non, je suis un petit peu stupide en fait. On va voir un atelier de fabrication. C'est où? C'est là-bas? Non, on va se garer en contrebas. Hop, ici voilà. Pouf! Silver screen. Oh, c'est la classe. J'aime beaucoup. Axel, soit silver screen. Il est 11h. C'est parti. Ouvre la porte, Michel. Ouh. 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 Soum, soum. Pas mal, ce grizzly. Pas mal, pas mal. Belle pièce. Nous avons une armure. LAPD. We are investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ! I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. J'ai un petit studio à l'arrière, ça fait vraiment... ça fait le gros Mac qui fait des films de boules. J'ai un petit studio à l'arrière, avec mon collègue, on les aime jeunes. Je les code serré. Mais en fait, non, je me suis trompé sur la photo. Lui, c'était le type à gauche, donc ça veut dire que Bishop, c'était le mec à droite, hein, logiquement. Vous voyez, je vous avais dit là, il a plein de, ouais, de petites statues, de trucs exotiques. Ils aiment bien l'Asie, j'ai l'impression. J'adore. Cette photo là est particulièrement jolie. Alors, voyons voir ton petit studio. Vas-y, entre. Voyons voir ça. Oh, c'est glauque. Putain, c'est glauque. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Oui, il l'a appelé du con. Je dis ça, j'ai rien. Mais c'est vrai que c'est un peu glauque. C'est absolument glauque. Glauque, je le redis, c'est très glauque. Putain, qu'est-ce qu'il faisait ici? Je n'imagine pas. Voyons voir le miroir. Il est en or. Ouais, vous voyez, il est en or. Il y a quelque chose derrière. Voilà. Il y a une putain de caméra derrière. Oui, voilà, il y a une... One-way mirrors. There's a room on the other side. Ah, il y a une pièce de l'autre côté avec une caméra. Non, mais je te dis, il faisait des... Non, mais c'était des gros pervers, en fait. Hein. Oui, effectivement. C'est une pervers de compagnie pour manipuler les gens chez des éléments importants lorsque vous sentez une vibration. Oui, d'accord. Ah.
chloral hydrate comprimé d'hydrate de chloral 100 grammes poison, contacté immédiatement de lycéen pendant un drogué une fille de 15 ans et la violer dans un bout d'essai, ces gens sont des malades. Oui, ce sont des malades. Oui, oui, il faut le dire, ce sont des malades. Ils l'ont drogué, ils la violent, enfin, ils font des trucs chelous avec avant, et avec des statues, on sait pas ce qui se passe. Il y a des boucliers. Des boucliers, pourquoi des boucliers? Et des lances, et des têtes, des poupées vaudou, des crânes. Petite dédicace à Bob Lennon. Le crâne. C'est le crâne. Le crâne dissident. Alors. Voyons voir. Ouais, c'est une tête réduite. Qu'est-ce que je vous disais? C'est bien ça, en fait. Hein. Tête réduite bizarre, là, qui ressemble à rien. Attendez. S'il dit rien, ça veut dire que... En la manipulant... Non. Celle d'à côté. Ah, celle d'à côté, elle est par terre. Okay. Putain, mais c'est vraiment glauque, hein. Ça, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à King Kong. Je sais pas si vous en souvenez, mais... Vous savez, cette île Skull Island qui est un peu... avec des indigènes un peu étranges. Comme ça, limite cannibale. C'est un peu... Ouais, c'est... Il y a une ambiance, quoi. Mais alors, du coup, oui. Ouais, mais... oui. Ou alors c'est buggé, ou alors... Attends, zoomer... Non mais il veut rien faire, il a un pouce étrangement bizarre. Vous avez vu, ça fait... Sa main est pas tout à fait normale. Oui, son pouce est... il a un petit problème au pouce, notre cher Phelps, mais c'est pas grave. Mais je vois pas ce qu'il veut qu'on regarde. En fait, qu'on voit sur cette tête miniature. C'est étrange. Pourtant, il y a rien. Regardez, je la fais bouger vraiment dans tous les sens. Je défonce le joystick de la manette, mais il y a rien. Ah, c'est une tête. Bon. Bah, écoute, oui, c'est étrange. Caméra, non. Il y a un lit. Ah, bah voici la troisième statue. Qui est tout aussi étrange. On dirait des têtes de petites filles, ouais. Il faut trouver la quatrième. Mais la quatrième, nous l'avons. Que dis-je? En fait, c'est bleu. Ou alors, ouais, il faut trouver la quatrième. Ah, la voici. Ouais. D'accord. En fait, il faut trouver le pied où il manque la tête. Donc on a 4 statues. 4 statues. Il faut trouver le pied. Où est le pied? Ah, il est là, non? Non, c'est un maillet, ça, on s'en fout. Enfin, un marteau. Nope. Ah bah si, c'est un marteau, je veux dire... Tout est lié. Un chapeau, ça c'est une preuve. Voilà, on va pouvoir regarder dedans. Il faudra un cul de génie pour relier. Ah ok, d'accord. Ok, non, non, mais d'accord, ok. Bon, bah écoutez, je ne trouve pas le... Ouais, y en a... Donc il y en a deux là. Il y a une statue encore en bas. Une statue là. Non, mais c'est bon, faut que j'aille... Attendez, on va essayer de lui parler. On va d'abord rentrer, on va essayer de chercher toutes les preuves. Donc ici, il y a une porte... Ah, c'est glauque. Mais c'est les chiottes en fait. Non, non, c'est pas la même salle. C'est un peu crâle les chiottes. Non, c'est pas cette salle là. Putain, c'est vraiment glauque, hein. Oh, le vieux JPEG de l'écharpe là, c'est moche ça par contre. Ça, c'est sale, hein. Oulala, ils sont pas foulés pour ça. Alors, voyons voir. Peut-être le rouge à lèvres. Non, les produits. Bon, hein, d'accord, tu... Ah, 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 ça a vibré. Junk. Sans intérêt, junk. Okay, bon. En fait, elle sert à quoi, cette pièce? Comment on fait pour accéder à l'autre pièce? Bon, bah, écoutez... Interrogatoire, Marlon Hopgood, yeux bleus, cheveux bruns, 44 ans, patron et propriétaire des accessoires Silver Screen. You ever do any work for Mark Bishop?
mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop was doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. I haven't seen him around here in a while. Je vois pas très bien là. Est-ce qu'il bouge? Ouais, il bouge un peu la bouche. Il est pas. Je mettrai de doute. Attends, je vais quand même vérifier les. Ouais, victime droguée, machin, machin. Fausse tête réduite, ça, ça va être une preuve. Je suis sûr qu'il va dire une connerie. Il va falloir, hop, contre-attaque avec ça. Nénénia, photographie du plateau. République du plateau, photographie du magasin, chantage. Doute. He was here yesterday, and something happened that pushed him over the edge. Oh, mais je suis stupide. You're holding out on us, Hopgood. Bon, bah, une erreur. You know, I have very good connections with Bicycle. Je me suis trompé, j'ai mis doute. There's a surprise. They won't appreciate you coming in here and strong-arming me. Ok. Bon, apparemment, ça ne pose pas tout à fait de problème. Bon. Bah écoutez, de toute façon on arrive à 31 minutes, en tout cas le mystère reste entier les amis. On va cesser là sur cette ambiance un peu glauque là, un petit peu chelou. Mais en tout cas je commence à bien apprécier cette affaire, elle est un petit peu plus, voilà, elle est plus profonde que les... Enfin si je puis dire, elle est plus... Ouais, on est plus dedans quoi, on est plus impliqué je trouve. Bref, voilà. Donc si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime ou un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, allez salut à tous.